Salut tout le monde les amis, c'est Sun. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et je suis heureux de vous présenter enfin le nouveau concept, encore un nouveau concept sur la chaîne. J'ai plein d'idées et ça fleurit dans ma tête et quand j'arrive à finaliser un projet ça me rend super heureux. Donc aujourd'hui les amis, je vous présente ma nouvelle série Tout savoir sur. Et aujourd'hui c'est Tout savoir sur le chevreuil. Juste avant de vous laisser avec la vidéo, j'aimerais remercier les éditions et notamment le magazine Salamandre de m'avoir envoyé une ancienne édition de leur magazine, notamment sur le chevreuil, et plein de brochures et de documents et d'enquêtes scientifiques ou naturalistes liées au chevreuil, car sans eux, je pense que je n'aurais pas pu finaliser cette vidéo, ou alors elle aurait été incomplète, car comme vous, vous allez sans doute en apprendre dans cette vidéo, moi j'en ai beaucoup appris. Le temps de la préparation, c'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps à préparer. J'ai eu plus de 5 à 6 jours d'écriture pour écrire le texte. J'ai eu près d'un mois pour finaliser et eu des idées pour le montage, pour travailler tous mes documents, tous mes papiers, de m'immerger carrément dedans. J'ai même été sur le terrain, donc vous voyez, j'ai été carrément à fond dans la démarche. Et j'espère que cette petite vidéo vous plaira, les amis. On en reparle à la fin de la vidéo. Et bien tout simplement, je vous laisse avec la vidéo qui j'espère vous plaira les amis. Allez, à tout à l'heure. Et oui les amis, afin de pouvoir savoir et en apprendre plus sur le chevreuil, il faut déjà savoir différencier le mâle des femelles. En langage de chevreuil, un mâle se dit brocard. On peut le reconnaître à ses bois ainsi qu'à son cou plus robuste que celui de la femelle. Aussi, nous pouvons enfin, seulement si vous aimez regarder les fesses des chevreuils, le différencier à la tache blanche en forme de haricot sur son derrière. Cette dernière est très peu visible chez le mâle comme chez la femelle lors de la période estivale. Le brocard se distingue de la femelle par son pinceau peignant, c'est-à-dire une touffe de poils autour de l'organe de reproduction. Une femelle se dit chevrette. Et non, ce n'est pas une chèvre, mais bien un chevreuil. On la distingue par les caractéristiques opposées à celles du mâle. D'abord, au fait qu'elle ne porte pas de trophée et bien évidemment de pinceau peignant. En revanche, elle possède une fausse queue sur le derrière. Cela s'appelle la brosse vulvaire. Sa silhouette est donc plus fine et plus élégante que le mâle. Mais afin de pouvoir les différencier, encore faudrait-il pouvoir en rencontrer. C'est pour cela que je vais vous expliquer et peut-être sans doute vous apprendre. Où trouver cet animal si craintif et aux aguets? Vous aurez sans doute la chance de pouvoir en observer dans les bois, les bocages, les cultures et s'étendant du bord de mer à la limite de la forêt. En général, le moment le plus propice où vous pourrez en observer, et c'est sans doute le moment le plus élevé, c'est-à-dire tôt le matin, entre 3 h et 7 h. Ou alors tard le soir, aux alentours de 22 h ou 19 h, dans la saison automne-hiver. Et oui les amis, comme tout être vivant, les chevreuils aussi se reproduisent. Certes, pas comme nous les hommes. C'est pour cela que je vais vous expliquer de quelle façon. C'est donc au brocard de séduire sa dulcinée. En langage de chevreuil, cela veut dire qu'il peut avoir jusqu'à 7 chevrettes lors du rut. D'abord, le mâle va sentir des effluves d'une chevrette en chaleur grâce à son odorat beaucoup plus développé que celui de l'homme. Seulement après l'avoir retrouvée, le mâle pourra alors commencer à la séduire. Et cela peut passer par se battre si un concurrent enfreint le périmètre de son territoire. Le vainqueur gagne alors le cœur de la chevrette. Mais la tâche n'est pas si facile. Le mâle et la femelle vont encore se courser en rond ou alors en formant des huit ou des circuits de course avant de pouvoir procéder à la phase finale. Avis aux œils de lynx, si vous observez ce genre de tracé dans les hautes herbes d'un champ ou d'une clairière, ou bien d'un bocage, alors peut-être deux chevreuils se seront-ils accouplés à cet endroit? Je disais donc, à la fin de cette course-poursuite, le brocard peut enfin monter sa première femelle. À savoir que durant les 2 jours de l'ovulation, la femelle s'accouplera avec plusieurs mâles ou plusieurs partenaires. C'est alors seulement après que la magie opère, puisque la chevrette va stopper la croissance embryonnaire jusqu'à Noël avant de se poursuivre normalement. Et c'est grâce à cette astuce que la femelle permet à ses petits de naître au printemps et ainsi
de pouvoir se cacher plus facilement et d'avoir un pourcentage de chances de survie plus élevé. Ça y est, le printemps est enfin là. La femelle va pouvoir mettre bas. Elle choisit alors scrupuleusement un endroit au calme et à l'abri, comme un champ ou une clairière. Une fois la mise bas terminée, la chevrette déplace alors ses fans, en général deux par chevrette, à deux endroits différents, de façon à multiplier les chances de survie de ses petits et ainsi de les protéger des prédateurs tels que les sangliers, les chiens ou les renards. En moyenne, 40% des petits ne passeront pas le cap des 6 mois. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Bambi, vous savez Bambi, le célèbre faon de Walt Disney, inventé par l'écrivain autrichien Félix Salten, n'est en réalité pas un faon, mais un chevreuil. Oui, un chevreuil. Car lorsque Disney produit le film 19 ans plus tard, le chevreuil devient en fait un cerf de Virginie. Maintenant, les amis, nous passons aux choses sérieuses. Maintenant que nous avons un petit peu parlé de la plus grande partie du chevreuil, vous allez bientôt me demander, mais de quoi se nourrit un chevreuil? Eh bien, je ne vais pas m'attarder sur cette partie de la vidéo, car comme tout le monde le sait, le chevreuil n'est pas carnivore, non. Désolé de casser le mythe, si certains pensaient, mais un chevreuil ne va pas au Burger King ou ne mange pas de burger ou de bons steaks hachés. Non, le chevreuil, en effet, se nourrit principalement de graminées, de feuilles, d'herbes et de petites baies. Il peut aussi manger plein d'autres choses d'aliments, mais nous en reviendrons plus tard dans la vidéo. Il peut en ingérer jusqu'à 750 kilos par an, c'est-à-dire entre 1,5 et 4 kilos par jour. Oui, c'est hallucinant quand vous voyez la carrure d'un chevreuil, mais la réalité est là. Et après avoir ingéré toute cette nourriture, comment fait le chevreuil avec une si petite bouche pour digérer tout cela? Eh bien, nous allons donc nous immerger dans une machinerie digne d'une invention de Léonard de Vinci. Le chevreuil possède en effet quatre estomacs. La panse, que vous pouvez voir en vert sur le schéma. Dans cette partie-là de l'estomac, les grosses parties et le liquide se séparent, tandis que les morceaux de feuilles et d'herbes sont renvoyés dans la bouche sous forme de petites boules afin d'être remastiqués par l'animal. Une fois ces petites boules remâchées, le chevreuil les réavale une nouvelle fois. La nourriture est ensuite expédiée dans la seconde partie de l'estomac, celle qu'on appelle le bonnet. Non, pas un bonnet que l'on utilise sur la tête pour nous quand il fait froid, mais bien un bonnet. C'est le nom donné à l'estomac, à cette partie de l'estomac du chevreuil. C'est dans ce dernier que sont triées une nouvelle fois les particules. Et celles qui dépassent encore le millimètre près sont régurgitées. Cela s'appelle la rumination. Puis, le voyage continue dans le feuillet, en orange sur le schéma, et ensuite dans la caillette, ou l'estomac pour les moins scientifiques d'entre nous. Enfin, le restant est expulsé sous forme de crottes ressemblant à des graines de café. Ces graines de café, comme on pourrait les appeler, permettront sans doute à certains d'entre nous de repérer cet animal si mystérieux et si passionnant. Et quelle différence existe-t-il entre le cerf et le chevreuil? Eh oui, c'est une question existentielle, car en soi, un cerf et un chevreuil se ressemblent énormément. Mais moi, je vais vous démontrer le contraire, l'exact opposé, car un chevreuil et un cerf ne se ressemblent en aucun point. Vu de loin, très brièvement, le cerf pourrait être confondu avec son cousin, le chevreuil. Voici donc un face-à-face entre les deux cervidés pour enfin savoir les différencier. D'abord, au niveau corpulence, le cerf mesure presque le double du chevreuil. En effet, il peut mesurer jusqu'à 1,70 m ou bien 2,50 m et peser jusqu'à 290 kg en moyenne. En moyenne, oui, car certains cerfs peuvent peser beaucoup moins ou beaucoup plus. Ensuite, faisons un tour au niveau de son anatomie. En effet, le cerf possède une petite queue visible à l'arrière sur son miroir à jaune crème. Pour explication, le miroir, c'est bien la fameuse tache blanche en forme de haricot ou de cœur inversé pour le mâle et la femelle chevreuil.
Il a aussi des bois imposants et ramifiés en 5 à 10 corps. Pour ceux qui ne savent pas, les corps sont les petites branches des trophées qui se trouvent sur la tête des cerfs et qui se séparent en différentes branches, comme on pourrait l'appeler moins scientifiquement. Ses yeux sont décentrés en arrière de la tête et possèdent un museau allongé et sans teinte particulière. En général, un cerf, son museau et sa tête sont d'une couleur gris uni ou gris foncé. Ensuite, le chevreuil est lui l'exact opposé de son grand cousin le cerf, comme je vais vous l'expliquer dès maintenant. D'abord, un chevreuil adulte peut mesurer jusqu'à 1,35 m et aller de 18 à 25 kg seulement. Mais cela, c'est pour un mâle. Au niveau du fessier, ce dernier possède lui un miroir jaune pâle, qui se voit peu en été et devient blanc comme neige en hiver, c'est le cas de le dire. Il ne possède pas de queue, et son museau est beaucoup plus court et apparaît teinté en noir, un petit peu comme le museau des chiens, par exemple. Aussi, ses yeux sont bien centrés sur la tête, comparés aux cerfs qui sont décentrés. Ses bois sont relativement petits et ne possèdent pour la grande partie du temps que 3 corps sur ses trophées. Voilà de quoi ne plus confondre ces deux cervidés qui en apparence se ressemblent et pourtant ils n'ont en réalité pas grand-chose en commun. En France comme en Suisse, beaucoup de jeunes chevreuils sont retrouvés morts par les gardes-faunes et les naturalistes. En effet, 66% des jeunes chevreuils ont moins de 2 ans. À cela, plusieurs causes que vous pouvez apercevoir sur ce graphique et que je vais maintenant vous décrire. D'abord, la première cause de mortalité est due en grande partie aux chasseurs, avec près de 75% des fauons tombés sous les balles de ces derniers. La seconde cause de mortalité, qui suit le fusil de près, est l'homme, ou plutôt la voiture, avec 14% de décès. En général, ces animaux craintifs fuient au simple petit bruit différent de leurs habitudes et ne les empêchent pas de traverser les autoroutes, les périphériques ou bien les rocades. 10% des causes sont encore non connues de l'homme et 8% sont dues aux machines agricoles, avec notamment les faons, qui périssent malheureusement lors des fauches printanières des champs de graminées et de céréales. Car c'est là que la mère, ou plutôt la chevrette, met bas au printemps. Enfin, et c'est sans doute le pourcentage qui devrait être le plus élevé, car naturel, et qui me rend le plus triste. Malheureusement, seulement 2% des causes de mortalité des jeunes chevreuils est dû aux prédateurs et aux maladies. Le monde est malsain et forme un cercle vicieux entre les hommes et les animaux sauvages, car ici, par exemple, les populations de chevreuils ont dû s'adapter. En outre, la déforestation des forêts françaises et donc la surexploitation par l'homme force les faunes sauvages à s'adapter. Par exemple, les populations de chevreuils qui quittent de plus en plus leur milieu naturel qu'est la forêt pour les champs agricoles et les milieux découverts. Il s'est alors adapté à de nouvelles conditions de vie. Étonnant, quand on sait que cet animal est très casanier. Par conséquent, lui qui vivait seul, ou quasiment seul, vit maintenant en harde, pouvant aller jusqu'à une vingtaine d'individus. À savoir que la plus grande harde de chevreuils a été calculée à près de 200 membres d'individus en Slovaquie. Son régime alimentaire a également dû s'adapter, notamment en se nourrissant principalement de plantes cultivées par l'homme, comme l'orge, le colza, la betterave, le seigle, le blé ou la pomme de terre. C'est ainsi que le chevreuil ne se nourrit quotidiennement plus que 4 à 5 fois par jour, comme son proche cousin le cerf, au lieu de 7 à 12 fois par jour en forêt. Mais l'homme est-il réellement l'unique responsable de ce sombre constat? À en croire les résultats de plusieurs enquêtes, oui. L'ensemble forme en fait un cercle vicieux. Les hommes ont tendance à surexploiter les forêts françaises et à déforester à tout va. De ce constat, les chevreuils, mais également les animaux sauvages, s'adaptent et quittent donc leur milieu naturel pour vivre dans les champs. Mais les champs, par qui sont-ils exploités? Les hommes. Or, que fait l'homme dans ces champs? Il traite, il asperge de plein de produits toxiques et nocifs pour la santé, pour l'homme en lui-même, mais surtout pour les animaux, tels que les OGM ou les pesticides.
Tout cela forme de la pollution et provoque des maladies. Cet ensemble font que le pourcentage de décès des chevreuils et d'autres sauvages est en hausse constante. Alors arrêtons de saccager la nature. Protégeons-la. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai pris énormément de temps à la préparer, comme je vous le disais au début. Je me suis bien amusée aussi à enregistrer ma voix, ça m'a fait plaisir. J'étais dans un... grâce à un pote qui m'a prêté, il m'avait une sorte de mini studio d'enregistrement, si vous voulez, ce qui m'a permis d'enregistrer ma voix dans une qualité un petit peu plus, on va dire, développée que d'habitude. Donc je le remercie énormément. Et également, voilà, si jamais ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me le faire parvenir, que ce soit dans les commentaires ou bien par mail ou bien sur les réseaux sociaux, pour ceux qui me suivent sur Instagram ou Facebook. Et puis, si jamais aussi cette concept de vidéo vous plaît, on pourrait le développer. Là, je l'ai fait pour le chevreuil, mais car c'est un animal qui me fascine et sur lequel je m'intéresse actuellement, notamment au niveau photographique. Mais on pourrait également développer ce sujet, que ce soit pour d'autres animaux. Ça pourrait être la mouche, le chien, ça pourrait être, je ne sais pas moi, le hérisson, la tortue, n'importe quel animal, ou même pourquoi pas des plantes, pourquoi pas une fleur, pourquoi pas un arbre. Ça pourrait se développer sous plein de formes différentes, les amis. Et moi, ça me plaît du moment que ça touche à la nature et aux animaux. Ça me plaît énormément. Juste avant de vous laisser, les amis, pour ceux qui ne me suivent pas, vous pouvez également, je mettrai le lien de mon Instagram en description pour ceux qui sont férus de photographie. Moi, j'en fais depuis maintenant 5 à 6 mois que j'ai commencé la photographie. Et en ce moment, sur Instagram, je vous poste de temps en temps, ça peut être tous les jours, ça peut être tous les 3 jours, ça peut être 2 fois par mois, quand j'en ai l'envie, les amis. Pour l'instant, les plus beaux clichés que j'ai sélectionnés pour vous, donc que je poste actuellement où j'enregistre cette vidéo, il y en a 2 qui sont sortis et il y en a 1 qui est sortie ce matin. Donc pour ceux que ça intéresse, mon Instagram reste en description. Voilà les amis, je vous laisse maintenant, et bien tout simplement, faire ce que vous avez envie. Je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire au moment où vous regardez cette vidéo. Moi, je me suis bien amusé à la faire. N'oubliez pas de profiter de vos proches, de profiter de vos amis, de la vie, des petits moments du quotidien. C'est ça le plus important. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sun.